Salut mes amis et bienvenue au Québec. Un truc sur le pouce au menu d'odeur du poulet. L'élément principal sera bien sûr le poulet, 1 kg, 500 g de poitrine et 500 g de haut de cuisse. Le liant sera la chapelure, 50 g, le poivre, 4 g et le sel, 10 g. Et bien sûr, un œuf. Il y a d'autres éléments, mais on les verra au fur et à mesure. Et bien sûr, les pains, pour le faire, allez voir ma vidéo pain maison. Première étape, le poulet est retourné au frais, pain avance, comme ça, dorure. Bol, un œuf, machine miracle, mélange, pinceau, mon badiole comme ça, sur les côtés. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Le pinceau c'est fini. Graines de sésame, blanc et noir. Bien sûr c'est facultatif. Couteau, incision. Couteau au repos. Les pains dans le four. On en a pour 45 minutes, donc pas de stress. Pour le reste de dorure, pas de gaspillage. Cuillère, moutarde, double cuillère, une et deux. Cuillère, c'est fini. Poivre, sel, et un peu dissous, ça va pas faire de mal à personne. Comme ça. L'huile avance, machine miracle, plonge, mélange, et je monte à l'huile. Impeccable, machine de plug, on secoue, machine à la plonge. La sauce, je la filme et ça va au frais. Viande sort du frigidaire, bol, on tire, machine tourne, poitrine, table, coupe deux et on y va. Doucement. Deuxième poitrine, table, en lanière, haut de cuisse, coupe deux. On intercale, haut de cuisse et poitrine. On passe à la poitrine. Dernier morceau. Terminé. Le couteau est fatigué à la plonge. Le hachoir, c'est fini. Maintenant, on passe au liant. Chapelure, 50 g. Sel, 10 g. Et poivre, 4 g. Œuf, casse. Et un peu dissous. Petit fouet et on mélange. Le mélange terminé dans le bol. Le gros bol sur la machine. On appuie et c'est beau. Le crochet. Bien sûr, ce mélange peut se faire à la main, mais la machine est sortie, donc j'en profite. Machine monte et on mélange. Machine arrête, marise. On ramène les bords sur le milieu comme ça et on continue. Après 2-3 minutes, c'est prêt. Machine descend. Le crochet, c'est fini. Maintenant, on portionne. Cuillère, comme ça, une belle boule, boule, assiette. Égalise, tranche de bacon, bien sûr facultative. On enroule, spatule, et on écrase. On tourne, burger réserve. Égalise, bacon, enroule, spatule, et on écrase. On tourne. Burger réserve. Égalise, bacon, on enroule et on écrase. Burger réserve. Quatrième, impeccable. Burger en réserve. Un dernier, spatule, bol à la plonge. À ce stade-là, les pains devraient être prêts. Feu éteint, pain sort. En effet, ils sont prêts. Super cool. La spatule est revenue de la plonge, impeccable. Pain décolle. Ils sont hyper cuits. Revérification. Nickel. La spatule, je la réserve. La plaque à la plonge. Et je vais faire refroidir les pains. À ce stade-là, on passe à la cuisson. Plancha allume. Nous sommes trois, on commence par trois. Un comme ça, et un comme ça. Maintenant, on attend. Donc, pas besoin d'huile, le bacon fera l'affaire. Pour la cuisson, c'est 5 minutes d'un bord et 5 minutes de l'autre. Ça me donne largement le temps d'éplucher mon oignon. Couteau rouge, coupe comme ça. Et comme ça, et en deux. Une fichure dans le bol. Un autre. Impeccable. En bordure tourne. Après environ 10 minutes, c'est prêt. Feu éteint. Plancha avance. Contrôle de la qualité. Couteau rouge. Très bien cuit. Très juteux. Assez moelleux comme ça. Super nickel. Maintenant, on graisse.
Ben ici, salade comme ça, le burger comme ça, couteau rouge, une tranche pas trop grosse, tomate sur les burgers, l'oignon toujours couteau rouge, par-ci par-là comme ça, le dessus un peu de sauce, on étale et par-dessus. Garniture personnelle, mâche, c'est assez. Ma fameuse vinaigrette au vinaigre de framboise, vous la connaissez, comme ça. Maître d'hôtel, le burger de poulet, vous êtes à 55 et après on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Canada et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.